Je viens de me lever. Il fait beau, les gens sont heureux, ils profitent de leur après-midi. Mais moi, c'est mon matin. Ça, c'est la vie de bord. Mon corps me fait signe qu'il réclame une bonne poutine. Qui dit meilleure poutine, dit banquise. Endroit mythique des oiseaux de nuit. Genre d'endroit nocturne qu'on se rappelle toujours vaguement, car très peu de personnes y sont déjà entrées à jeun. Je me demande même si la banquise est ouverte de jour. Car c'est bien rare qu'on en entend parler avant 3 heures du matin. Mes yeux sont fatigués. Il y a des petits cernes en dessous. Pourtant, il est juste 2h45 l'après-midi. Et si mon visage est en train de se transformer en fille de bar? Vous savez, ces femmes, vétérans de la vie de nuit qui ont travaillé plus fort que n'importe qui dans un monde nocturne tordu. Je vais t'en prendre un autre, ma belle. C'est une petite dernière pour ça. Je m'en vais. Les traits durcis par les cernes, on peut même y lire leur vie. Elles l'ont tatoué au visage. À partir de quel moment, ça fait trop longtemps? J'ai tellement peur d'être une de ces personnes typiques. Des artistes déchus. Vous savez, les bars sont une île de secours où toutes les personnes n'ayant pas réalisé leurs rêves peuvent s'échouer un jour ou l'autre. Merci, à toi aussi. Malgré tout, je dois avouer que j'aime bien la vie des bars. Les gens dansent, sont heureux, ont quelque chose à fêter et laissent le stress de leur vie quotidienne pour s'éclater le temps d'une soirée. Un chin de chum. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Une gang de boys contents d'être ensemble. Pour se le dire, ils unissent leurs verres en poussant un cri ressemblant à celui d'un animal. Moment très émotif dans la vie d'un homme. Du côté des dames, les chins sont toujours un peu plus modérés. Un chin de Cosmo et de Sex on the Beach, plutôt poli, ben c'est pas grand-chose à comparer à un bon chin de boc de bière. Salut! Allô! Ça va bien? Oui, ça. Oui, toi, ma belle, ça va être quoi? Les hommes sont les leaders d'alcool. Ils choisissent quoi boire? Their Coors Light. Et la femme choisit quand ils devront arrêter de boire. Regardez ces gars-là. Assoiffés de sexe et d'alcool, un peu timides au début. Après quelques bières, ils deviennent de vrais experts en chasse. Croyez-moi, les champions de la cruise, j'en ai vu de toutes sortes. Après s'être essayé avec la victime la plus facile, celle qui peut pas s'enfuir, moi, ils partent à la chasse pour de vrai. Leur proie, mes clientes. Un poisson mord enfin à l'hameçon. La fille a une montée d'estime. Après tout, sa nouvelle camisole qui lui a coûté la peau des fesses aura été une bonne dépense, car à travers toute la foule, c'est elle qui a choisi. L'orgueil de mâle est enfin replacé. Ces chums voient en lui un fabuleux représentant de la race. C'est bien le fun, les bars, mais c'est loin d'être toujours rose. Expliquer à compter un gars chaud, lui rappeler ce qu'il aime boire, rester poli avec les hommes qui te veulent et avec les femmes qui t'en veulent. Les cernes en dessous de mes yeux, c'est pour ça. Elle a l'origine des rides. C'est pour ça que la vie de bar peut rester à jamais tatouée sur ton visage.
une banquise de jour, c'est pas une vraie banquise. Parce qu'après tout, tu veux jamais vraiment connaître les vérités qui se cachent derrière la vie nocturne. Tout ça, c'est fait pour rester de belles illusions. Dance, 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 dance